بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 2 sur le cours de symétrie axiale, niveau 2e année collégien, Royaume du Maroc. Tracez la médiatrice de segment EF dans chacune des figures suivantes. Vous avez ici la première figure, au premier cas, ici vous avez un segment EF de cette façon, ici deuxième cas, vous avez le segment EF de cette façon, puis le troisième cas, vous avez un triangle AEF, et le quatrième cas, vous avez un quadrilatère AEBF. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer la médiatrice du segment EF dans chacune des cas suivantes. Ou bien dans chacun des cas suivantes. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Commençons par le premier cas. Donc on va tracer la médiatrice de ce segment. On a vu une façon très importante pour tracer la médiatrice d'un segment facilement. On prend le compas de cette façon, puis on trace un arc du cercle de cette façon-là, puis on continue sans changer l'écartement du compas. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu deux points, le premier point et mon deuxième point par lequel passe cette médiatrice. Donc, je vais tracer maintenant la médiatrice de ce segment. La voici. Cette médiatrice, évidemment, il passe par le milieu de ce segment et perpendiculaire à son support. Passons maintenant au deuxième cas. Donc, je vais faire la même chose. Je prends le compas de cette façon. Et puis, je continue pour obtenir les deux points par lesquels passe la médiatrice du segment AB. Ça, c'est très intéressant dans cette leçon de symétrie axiale. On a besoin de cette méthode-là parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois dans chaque exercice. Voilà, maintenant je peux tracer ma médiatrice. Je vais prendre une autre couleur comme celle-ci. Voilà. Et je vais tracer cette médiatrice qui passe par le milieu du segment EF et perpendiculaire à son support. Passons à la troisième figure. Vous avez ici le segment EF, c'est un côté du triangle AEF. Donc, on va faire toujours la même chose. Donc, je vais prendre le compas de cette façon-là et je vais tracer cette médiatrice de la façon que vous avez vue dans le premier cas et dans le deuxième cas. Voilà. Je répète ici, je prolonge cet arc. Maintenant, j'ai mes deux points, le premier point et le deuxième point. Et je vais tracer la droite, qui est la médiatrice de ce segment. Je prends par exemple la couleur bleue et j'ai obtenu ma médiatrice qui est perpendiculaire au support de ce segment et qui passe par son milieu. Maintenant, il me reste la dernière opération, ou bien le quatrième cas. Donc, je vais tracer la médiatrice. Donc, ce n'est pas la peine de tracer le côté ou bien le segment EF. Je peux chercher la médiatrice directement. Regarde. Je peux me dépasser du segment EF. Donc, je vais tracer cet arc comme ça. Et l'autre, je vais essayer de m'éloigner un peu. Voilà. Puis je vais continuer mon travail de cette façon-là. Maintenant, mon dessin est presque terminé. Je vais ajouter ce point et ce point-là.
Puis je vais tracer ma médiatrice. Je vais prendre par exemple une autre couleur. Je choisis celle-là. Voilà. Et maintenant, j'ai obtenu la médiatrice de segment EF. Si vous voulez que je trace ce segment, je peux le faire. Regarde. Et vous allez voir que effectivement, cette droite, elle est perpendiculaire à son support et passe par son milieu. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.